Ici. C'est ici qu'on est s'amuser, maman, papa et moi. Dans ce parc-là. Moi, je m'amusais, eux, ils me surveillaient et ils s'aimaient. Je pouvais rester des heures ici. Mais ce que j'aimais le plus, c'était de me balancer. J'avais l'impression de voler. Aujourd'hui, je m'assois ici, sur ma balançoire, mais mes pieds restent dans le sable. Je peux plus m'envoler. Je peux plus rêver, mais je peux penser, me rappeler. Me rappeler mes souvenirs qui se rattachent à ma mère, qui hante mes esprits depuis 10 ans déjà. Ma mère est pas coupable. Je sais. Le monde est trop con. Je mange peu. Je dors peu. Je fais que penser. Je me souviens de la police. De ma gardienne. Celle à cause de qui la merde est arrivée dans ma vie. Celle à cause de qui mes familles d'accueil m'aimaient pas. Celle qui était si belle d'habitude. Celle qui était retrouvée morte. Du sang. Il y avait beaucoup de sang. Elle criait. Ma mère a retiré le couteau qui la transperçait. Puis ils sont finalement arrivés. Elle a pris le couteau vers les policiers. C'est pas de sa faute. Elle était prise de panique. Je l'ai plus jamais revue. Aller chez grand-maman après ça. Une chance qu'elle était là. À jamais parler de maman. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à dire. C'était un peu comme ma bouée de sauvetage parce que, avec papa, on n'a jamais pas en parler. Il aurait pas pu s'occuper de moi. Bonjour, je suis Pierre Simon, c'est moi qui s'est occupé de votre mère. Si vous voulez, j'aimerais ça vous parler. Venez avec vous. Écoutez, M. Mouchard, votre mère est arrivée à un gros accident d'automobile. On l'a accueillie en salle de réanimation, mais. Malheureusement, il y avait trop de lésions internes. Je suis désolé. Ma grand-mère est morte ce jour-là. Mon père, lui, il l'a pas pris. C'est arrivé. Je m'en rappellerai toujours. J'avais 6 ans. Aujourd'hui encore, je suis prisonnier de cette réalité-là.
Depuis ce temps-là, je suis dans mes pensées. Quand ma gardienne me démontrait l'étendue de sa douleur, celle que je trouvais si belle, celle qui devait rester à mes côtés pendant l'absence de mes parents. Quand de ma lame j'ai transpercé son corps, je croyais pouvoir la garder près de moi pour toujours. Sa beauté et son charme sont la cause de la non-existence d'un sens à ma vie. Dans la noirceur de ma haine, en repensant à l'innocence de ma mère, je me meurs.